Et voici le trou numéro 6, avec un premier bunker à droite de la partie. Et bien évidemment, à gauche, il faut trouver l'ouverture. Mais un fairway un peu en descente, sans grande difficulté apparente. C'est bon, ouais. Ah, des potes. De 400 et des brouettes, tout droit et après en virage dogleg gauche. Ah ! Gratouillé à gauche, ça roule ? Ouais, ouais. Bon, j'aurais pas d'ouverture, j'aurais rien, mais. Bon, bah, ça aura duré 5 trous. Le garçon est tellement charmant qu'il faut lui faire confiance. Exactement. Joli! Il a raison, hein. Il a pas tort en plus. Exactement, ouais. Magnifique! Merci. Allez, ça reste. Après, moi j'étais pile derrière, ta face de club était là. Oui, oui. Ouais, ok. Non, et ton petit a volé là. J'ai des gros problèmes d'alignement. C'est tiens. Merci. Je le travaille pourtant, mais. Voilà, on est sur le trou numéro 6, un par 5, en dogleg sur la gauche. Et bon, la plus belle balle, c'est Didier là, sur le coup. Plein milieu fairway. Avec Emmanuel, on est à gauche. Et Philippe est un peu sur la droite, mais il aura une belle ouverture pour jouer. Voilà, allez, on se retrouve au coup suivant. Magnifique, Didier. Donc Didier est l'admin et le fondateur du groupe Facebook du côté de chez Swing. Hey. Hey, hey. Et une plume golfique particulièrement agréable. On te suit pour suivre tes articles, c'est sur quelle page ? Sur la page du côté de chez Swing. Et puis voilà, j'ai créé la page pour ne pas encombrer ma page perso. Ouais. Tu vois, avec les gens qui n'aiment pas le golf et tout. Et puis de fil en aiguille, j'ai monté le groupe là il y a quelques temps et c'est génial. Que des gens géniaux. Et c'est un vrai bonheur. Quoi. Le plaisir de partager la passion du golf. De rencontrer des gens admirables comme toi. C'est gentil. Admirable, je ne sais pas, mais toujours des rencontres. Je te fais un compliment. Bon, ben, je prends. Ça va. Ah. Tendu. Ok, bon, j'aurai l'ouverture après. Bon, c'est pas ce que j'avais imaginé, mais je ne vais pas me plaindre non plus. Ah, Emmanuel, lui, a mieux roulé bien devant. Et vous avez Didier qui est en train de se placer sur sa balle, qui était juste magnifique. On va aller regarder le point de vue sur le parcours. Ah ah! Ouah, c'est bien fait ça. Tendu. Hop, 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 hop. Et t'échappes au bunker. Joli. Non, t'y as échappé, hein. Ça roule, c'est fou. Ouais. Tendu. Ok, on va placer aussi, c'est bien. Un coup raté, mais stratégie, j'avais pris un petit fer. C'est ouais, ouais, ouais. Ouais, j'ai oui, hors limite là, je vois. C'est pas le. Oui, oui. Mais le tendu. Hors limite, et de jouer tendu ici, ça roule. Ouais. Non, j'explique ma stratégie qui était phénoménale quand même. Tu expliques la mienne ?
Ouais. Ah ouais, avec l'ouverture. Oh joli. Ouais, attends. Wow. Ah, alors, ça paye pas. Le coup était splendide. Merci. Je suis admiratif du beau jeu. Rappelle-moi ton index, Philippe. Le vrai ou avec ou sans flasque. L'index sur ma licence, c'est 6. Mais l'index que je joue, c'est variable. Une pondération fluctuante. Il y a une majoration positive, et négative, ça dépend. Je crois qu'on est tous pareils, on est tous au même index. Enfin, c'est tout de suite, on voit le. C'est ce qui me plaît, c'est de voir la différence de jeu. Je suis pas le. On n'a vraiment pas les mêmes balles, mais c'est magnifique du beau golf. Allez, ça, oui, c'est moi. Allez, je sors un fer 7 parce que la butte devant, elle est à 120 mètres. Et que. Ok. Ouais. Et 135. Après, ça roule devant. Non, mais je te le dis, hein, c'est ouais, pour toi, hein. Ok. Bien joué. Et en fait, j'avais imaginé ça. Ah non ! Ah non, c'est bon. Ouais. J'ai tapé un coup pour 125 mètres. Didier m'a dit qu'il y avait 135 pour le drapeau. Sauf que devant, ça a tendance à rouler. Je voulais pas m'échapper trop loin. J'ai monté la butte, j'ai évité les bunkers. Je suis sorti un tout petit peu du green, mais approche putt, je dois pouvoir le faire. Allez hop, on retrouve Emmanuel et Didier. Ouais. Ça tape la butte, ça monte correctement. Joli. Joli coup. Joli ça. Dis donc, il y a du jeu. Hein. Ah, c'est long. Dans le bunker, tu vois. Ouais. Mais comme je connais pas, je me rends pas compte. C'est la hantise des bunkers. Je crois s'il y a un truc qui. Ouais. Moi qui ai bien fait. Ah non, ça c'est Emmanuel. Ah, Emmanuel a mis une belle balle. Moi je suis juste là, mais je suis bien, je suis content. Ah, un peu de stratégie. Voilà, Philippe est dans le bunker. Hop. Il n'y a qu'Emmanuel qui a le luxe de se balader qu'avec son putter à la main. Oh, c'est sorti. Ah là là. Oh, joli kick. Ouais. Bon kick. Elle est revenue. Okay. Oh, c'est bien sorti ça, joli! Bravo! Méritait presque de rentrer. Ça méritait, c'est mon partenaire. Ça méritait de rentrer, pardon, oui, oui. C'est pas super bien aligné. Je pouvais pas me permettre, tu comprends bien. Joli, joli, putain. 4, ouais, ouais. Quelle confiance. 1, 2, 3, 4. C'est les mecs qui sont moins 3 d'index. Et qui t'annonce 6. Oh là là. J'ai dit que c'était variable. Bien fait. Putain, beau putt depuis le début de la partie là, si tu veux finir. Ça
Oh, vas-y, vas-y, vas-y. Quatre, cinq, pareil. Oh, dis donc, collection de parts. Joli. Un part. Par cinq, oui, oui. Tout le monde fait le part. Et donc, voici le trou numéro 7. Par 3. Par 3. 153 mètres. 153 mètres. 153 mètres. Ok. Ok. Stratégiquement, on va jouer un peu plus court. Parce que ça roule. Pour qu'on puisse rouler, ouais. Arriver au drapeau à mourir et rentrer. Et ben alors, voilà, je regarde. Top, c'est parti pour le trou en un. Les trous en un, c'est faut finir la flasque. Oh là 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 là. C'est beau. Et du coup, ça s'arrête. Tout à droite. Ah, ça sort même. C'était trop en un s'ils n'avaient pas bougé le drapeau. Hein. Ils sont joueurs. Joli. Ah, c'est magnifique ça. Voir, voir, ça sort. Ah, merde. Ouais, c'est bien dommage. C'était joli. Ouais, ouais, c'était joli, mais bon. Mais le coup est joli, mais bon, comme, oui, moi. Voilà. Comme voilà. Moi, le coup est joli dans le bon. Elle est aussi bien touchée que la première, avec un résultat différent. Et là-dessus, Emmanuel qui se met au départ, qu'est-ce qui va m'arriver? J'ai pas pris de boisson. Ouais. Oh, c'est la meilleure, ça. Oh. Donc on court le bunker. Et bien on va à la plage. Tu joues où habituellement, Emmanuel? Je joue où le vent me porte. Ouais. C'est-à-dire que, en règle générale, je poste quelqu'un veut jouer avec moi et celui qui me dit où il veut jouer, j'y vais. Voilà. D'accord. Ah, ça c'est bien, voilà. À qui est cette balle? Une balle. Je me la rendrai à la balle. Et donc du coup, voilà, les partenaires du jour, en pleine discussion. Emmanuel, bunker de droite. Stanley, bunker de gauche. Et je crois Didier, bunker du fond. Didier ici, premier bunker. Oh joli, oh joli. Là-bas, on voit que la tête. Vous avez Emmanuel. C'est sorti et ça ressort. Sortie de bunker. Vas-y. Ok. Bien Philippe. Oh joli. Hop. Ah.
tous. Et voilà, c'était le combien celui-là, hein? 7. Trou numéro 7. Trou numéro 8 est en montée. Et arrivé sur le green, toujours défendu par deux beaux bunkers. Oh là 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 là, c'est malin, je vois le truc. Ouais. Allez. Ah! Bon, ça reste en jeu. Ça reste en jeu. Joli! Très joli! Bien, et bah tout le monde est bien placé. Ah, ça a fait un bruit d'arbre. Voilà, replacer surtout, c'est ça que je voulais. Pour me replacer. Allez hop. Joli ça. Ah, c'est par à gauche. Ouais, à gauche. Didier est magnifiquement bien placé. Alors, Didier et Philippe ont coupé au-dessus des arbres. De superbes balles. Ah. Écoute, on ne dit pas comment, mais combien. C'est sur le green. Oh, joli. Le rythme est joli. Super cool. Très joli. C'est un biche. Oh mon biche. Oh, un chouï court. Mais c'est sur le green. C'est sur le green. Emmanuel. Petite approche. Et ça rentre aussi. Ok. Oh. Je croyais que j'étais court. Joli. Oh, le parc, ça, joli. Joli. Ça fait part aussi. Joli. Eh, joli. Joli. Eh bien voilà, joli score sur le trou numéro 8. Du par au bogey, au double bogey. Et on se retrouve maintenant trou numéro 9 pour terminer cette petite série, le parcours blanc du golfe de Bellefontaine, que j'ai partagé, que j'ai eu grand plaisir à partager avec Philippe Cook des Golfeurs Anonymes, Didier Brun du côté de chez Swing, et Emmanuel du côté de chez Ping.
C'est parti pour la visite guidée. Trou numéro 9 avec un point de vue fabuleux. Donc lui, le fairway est en descente, a priori à plat. Et au moment du virage à gauche, vous allez voir toute la descente. C'est passionnant. Il est magnifique. Sur le crevasse. Tu as vu que je t'ai joué tous les mauvais coups du golf, donc tu pourras faire une vidéo avec ma partie. J'ai plein de rush pour le golf pour les nuls. Mais t'en prie pas. Avec ton, enfin, avec ton aimable, voilà, cas, mais, avec ton aimable autorisation. Oh là 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 là. C'est splendide. C'est parti dans la descente. Tu crois? Non, pour moi elle a pris la descente là, oui, oui. Côté drapeau là. Ah, magnifique. Vas-y. Elle a pris la descente. Ah. C'est pile poil ce qu'il fallait faire. Ça tourne moi. Joli, dis donc. Bien, et bah écoute, deux à gauche, deux à droite. Oh, ouais. Regarde la musique, regarde où elle va. Mais des fois, je trimballe un sac, je me demande pourquoi. Alors. Oh merde! Ah merde! Alors attends, c'était une Bridgestone. La même? Elle a failli rentrer, elle a touché la feuille et elle est ressortie. Ok! Bon, j'ai une balle en jeu quand même. Eh oui, bah en confiance, je suis allé mettre une balle dans la forêt, ma première. C'est dommage parce qu'elle était bien touchée. Alors qu'au final, je suis sûr qu'il n'y avait pas forcément ça à jouer. Bon, on a une deuxième en jeu, je vais aller voir quand même. Philippe m'a mis une énorme balle. Vous allez voir ça. Regardez le point de vue là, magnifique, sur le green. Descente et montée, et voilà une très très belle balle de Philippe. Waouh, dans le ciel, et pitch le green. Oh joli, magnifique. Sera placé, oui, gratté, oui. Échappe au bunker. Alors. Oh, Emmanuel, il n'est pas en posture. Et voilà, hop. Allez, avec moi. Un, deux, trois, quatre, cinq, parce que j'ai une pénalité. Ça monte. Ah, merde. Donc, c'est un par 5 là. Donc t'es en 2 sur le green. Joli. Ok. Oh, joliment fait.
Ah, c'était pour... Oh, c'était pour Eagle. Ouais, je suis gêné. Deux pattes. 5 et 2, 7 double. Bien pété à chaque fois. Joli, solide. Allez, pour avoir le plaisir de boire. Une gorgée. Ouais, joli birdie. Yes. Eh bien voilà, c'était une partie au golf de Bellefontaine sur le parcours des Blancs. Ça a été bravo, un chef, plaisir. Super. De partager bravo, cette partie, super Didier, partie, super partie. Philippe, merci, Emmanuel. Donc voilà, le parcours des Blancs du golfe de Bellefontaine, un vrai régal, un vrai beau parcours à venir découvrir. Il est au bord de l'Oise, pas très loin de Roissy, pas très loin de Chantilly, magnifique. Pas très loin, très très beau parcours, technique et plaisant à souhait. Et Philippe a un dernier birdie, dis donc, il y en a eu des birdies là, sur cette partie, ouais, je m'accorde aussi ce droit. Bon, et maintenant, les choses sérieuses commencent. Ah oui, allez, abonnez-vous à la chaîne, faites-vous plaisir sur le golf, amenez du monde découvrir le golf de Pelle-Fontaine, et puis on se retrouve sur un autre parcours la prochaine fois. À bientôt, les amis. C'est pas un bois 5, ça. Oh, le salaud. Oh, j'ai rien osé dire. Non, c'est... C'est épouvantable. Sur le mulligan, il n'y a pas très longtemps. Elle est encore d'une mulligan. Non, non, non. Si, 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 je lui t'envoie ça. Il t'envoie du... Allez, rejoue. Alors là, tu vas pouvoir la mettre. Et j'assume complètement toutes les insultes. J'assume la responsabilité, exactement.